Bonjour et bienvenue à l'espace Media Lab du Salon des Jeunes édition 2015. Nous sommes en direct de Martigues à la Halle de Martigues pour le Salon des Jeunes avec notre dernier plateau télé de la journée avec un invité de marque, monsieur le député maire de la ville de Martigues, Gaby Charroux. Bienvenue. Merci et bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et de participer à ce plateau télé. Je suis aussi en compagnie de Sofiane. Oui, bonjour Sabrina. Alors, comme vous l'a dit Sabrina, nous sommes en présence de monsieur le député maire pour cette dernière émission. Donc la 14e édition du Salon des Jeunes. Avant de lancer le débat avec monsieur le maire, on envoie d'abord une petite vidéo pour présenter le pôle. Donc tous les stands, les jeunes ont tourné une vidéo. On regarde les images et après on revient sur le plateau. Voilà, donc de retour sur le plateau télé avec monsieur le député maire de la ville de Martigues. Voilà, donc nous sommes au Salon des Jeunes, un événement qui est à votre initiative. C'est la 14e édition, oui, mais effet. C'est vous qui avez lancé cet événement. En effet. Comment est-ce que c'est venu ? Il y a maintenant plus de 20 ans que, étant conseiller municipal délégué à la formation et surtout en ayant une activité professionnelle de directeur du centre d'information et d'orientation, donc toujours travaillant avec des jeunes, j'ai eu l'idée de proposer un rassemblement dans lequel on offre aux jeunes la possibilité de s'informer, de se renseigner, d'échanger sur leurs loisirs, sur leur santé, sur les questions de la formation et de l'insertion professionnelle ultérieurement, bref, sur les loisirs, je l'ai dit peut-être, donc tout ce qui fait la vie des jeunes en espérant que dans un même lieu, on ait toutes les dimensions concernant la vie des jeunes. Et au fil du temps, évidemment, on s'est adapté et je crois qu'aujourd'hui, votre travail sur ce salon est un travail assez extraordinaire et qui est dans l'air du temps et dans les techniques qui intéressent les jeunes. C'est vrai, on a eu un salon, trois jours du salon, vraiment très riche. Monsieur le député, j'ai une petite question pour vous. D'où est venue l'idée de créer un salon des jeunes ? Alors l'idée est venue d'une observation que... pour les jeunes, il y avait sans doute un point important quand on atteint 15, 16, 17, 18 ans. Ce sont les études, la formation, demain, l'avenir qui peut être parfois un peu incertain et qui, quelquefois, est aussi une inquiétude chez les jeunes. Voilà, leurs études, ce qu'ils vont faire demain, c'est bien légitime. Donc on s'est dit, dans un même lieu, on rassemble évidemment autour de la formation et de l'orientation de manière générale, mais aussi sur le reste, ce que les jeunes ont envie d'exprimer au niveau culturel, au niveau social, au niveau de la santé, au niveau du sport,
aussi. Et donc, au fil des années, c'est monté en charge. Et je crois que cette 14e édition, maintenant on le fait tous les deux ans, est particulièrement accomplie, me semble. Alors, monsieur le député maire, là, nous sommes donc dans l'espace Media Lab, hein, l'espace multimédia qui regroupe donc de nombreuses pratiques numériques, à la fois la vidéo, les réseaux sociaux, le mur de SMS. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de toutes ces nouvelles technologies? Est-ce que vous les utilisez vous-même? Alors, je les utilise, évidemment, pas à la manière des jeunes qui sont autour de nous. Est-ce que sur vous ce êtes plateau. Sur Facebook? Oui. Ah. Voilà. Ah, c'est une bonne chose, ça. Oui, oui, oui. C'est difficile. Néanmoins, c'est difficile. Mais je comprends, en tout cas, je fais l'effort de comprendre combien ces nouvelles technologies sont partie inhérente de la jeunesse, quoi. Maintenant, ils l'ont dans la tête, ils l'ont dans les mains, de la même façon qu'on a pu voir sur l'espace culturel avec le hip-hop. Moi, je disais, je connais pas bien, je ne sais pas, etc. Mais j'ai vu deux soirées de hip-hop. Je crois que je vais m'inscrire au club de hip-hop. Eh ben, on vous attend alors sur la scène, monsieur le député. Monsieur le député, vu que c'est un salon des jeunes, vu que c'est un salon des jeunes et le salon est fait pour les jeunes, bien sûr. J'aimerais savoir si dans le public, il y a un jeune qui souhaiterait poser une question à monsieur le député maire, peut-être. Oui, jeune demoiselle. Alors, j'aimerais savoir... Est-ce que tu pourrais te lever? Merci. Je m'appelle Laurie et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette 14e édition. Merci Laurie. Oui Laurie, cette 14e édition, je crois que moi, il m'a semblé sentir une évolution dans cette 14e édition, c'est que la réussite des trois journées, elle est le résultat du travail des mois qui ont précédé le Salon des Jeunes. Si vous êtes là aujourd'hui, enfin ces trois jours, il y a une si belle animation, une si belle réussite, je crois que c'est parce que en amont, les lycéens, les lycéennes, les collégiens, les jeunes des maisons de quartier, les jeunes qui sont dans toutes les instances et les institutions de la ville, ont travaillé avec des animateurs depuis des mois et des mois. Et maintenant, c'est facile, le salon. Vous l'avez rendu facile par le travail qui a été réalisé depuis ces mois. Voilà pourquoi il y a une réussite, je trouve, très sincèrement, formidable. C'est voilà. Vrai, je tiens à le souligner. Durant ces deux jours, on a eu de nombreux passages et c'est dû à l'investissement des collégiens et collégiennes, comme vous dites, des lycées et de tous les établissements de Martigues. Quel message vous souhaitez faire passer aux jeunes? On est dans l'ère du numérique. Bon, le Salon des Jeunes, ça réunit tout ce que propose la ville de Martigues. Quel message souhaiterez-vous faire passer aux jeunes? Moi, j'ai un message et des félicitations. D'abord, le message, c'est que je pars d'une observation ou de choses qu'on dit ici et là, chaque jour, à toute occasion. Ouais, les jeunes manquent de civisme, manquent de ceci, manquent de cela. Moi, je constate au contraire dans le salon, et ça nous donne un espoir formidable, qu'ils sont engagés, ils sont attentifs, ils ont envie, ils sont passionnés, ils sont capables de s'intéresser aux techniques les plus modernes. Et ceux qui seraient des râleurs, des générations qui sont entre les jeunes et la mienne, par exemple, et qui diraient « Oh là là, les jeunes, c'est plus comme avant, avant c'était mieux, avant... » Je crois qu'ils se trompent, parce que les technologies, justement, dont il est question sur ce plateau, eh bien, je crois que ces générations-là sont pas tout à fait capables, autant que les jeunes, de les maîtriser. Alors, le message, c'est, si je puis dire, vive la jeunesse, parce qu'elle est formidable, la jeunesse. C'est pas, je dis pas ça pour les caresser dans le sens du poil, vraiment. Mais on a eu sur ce salon, d'abord, des jeunes qui se sont investis, beaucoup, qui ont donné d'eux-mêmes, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur intelligence et de leur énergie et des solidarités qu'ils peuvent mettre en place. Ça, c'est un message formidable. Et des remerciements. Des remerciements bien à sûr. Eux, bien sûr, mais à tous les organisateurs qui se sont investis. Un clin d'œil aux partenaires, un clin d'œil à tous les services municipaux et un grand remerciement à mon adjointe, Linda Bouchicha, et toute son équipe. Je pense qu'on peut applaudir. Merci. Merci. Alors, monsieur le député maire, là, donc, nous sommes sur un plateau télé participatif, hein, qui est donc géré par les jeunes. On voit que ce sont les jeunes qui sont à la technique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette nouvelle forme de médias qu'on qualifie de citoyens, qui ont pour but de, justement, donner la parole aux habitants des territoires, de permettre aux acteurs du territoire de manier tous ces outils-là? Vous en pensez quoi? Je ne sais pas si je me trompe, mais ma perception de cet outil, c'est que
peut-être ce nouvel outil, enfin je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, hein, Medialab, vous dites ? C'est ça. C'est oui, ça, Medialab. Medialab citoyen. Citoyen. Je crois que c'est un outil qui est capable de rompre l'isolement. Moi, ce que je regrette avec les nouvelles technologies, c'est que parfois, on isole et peut-être que même si on échange de nombreux messages avec des interlocuteurs, je trouve qu'on facilite l'isolement. Là, ce média citoyen met en contact les gens, les jeunes, le plus souvent, bien sûr, hein, et leur permet de s'exprimer et d'être solidaires. Je crois que ils ont naturellement envie d'être solidaires, d'être dévoués, d'offrir, de donner. Il ne faut pas qu'on les renferme dans des médias qui les isolent et qui, finalement, les empêchent d'échanger avec les autres et de donner d'eux-mêmes. Parce que je crois que la caractéristique essentielle des jeunes, c'est la générosité. Alors cette générosité, il faut l'encourager et non pas la détruire. C'est vraiment ça. On a vraiment eu ça pendant 3 jours, Sabrina. Tout à fait, oui. Voilà. Monsieur le maire, monsieur le député maire, la jeunesse, comment vous la voyez, vous, dans le futur ? Ah ben, moi, je crois que, je le disais il y a un instant, la jeunesse, c'est notre espoir, d'abord. Parce que demain, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui seront des enseignants, des médecins, des assistantes sociales, des ingénieurs, des techniciens, bref, des élus aussi. Eh bien, bien sûr, des élus qui prendront la suite de l'endroit que nous occupons provisoirement et parce qu'ils nous l'ont donné, cet endroit. Voilà. Demain, cet endroit, on va le leur rendre. Et il faudra qu'eux, ils s'en emparent. Et moi, j'ai confiance en eux. Je crois que les images qui pourraient être négatives des jeunes, il faut les oublier. C'est une minorité. Et cette minorité, d'ailleurs, il faut lui tendre la main. Il faut lui demander de venir rejoindre cette immense majorité de jeunes qui sont capables, je le répète, avec intelligence et avec cœur, de donner aux autres et de participer à la vie citoyenne de notre pays. D'autres questions parmi les jeunes ? Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à monsieur le maire ? Non, ça va, ils sont bien sages. Ils sont sages. Moi, j'ai une question. Dites-nous un petit peu, quelle est la particularité de Martigues que vous préférez ? Ah ben justement, la particularité, voilà, ça me vient tout de suite, hein, sans avoir besoin de réfléchir. Martigues, c'est une ville citoyenne. Voilà, c'est-à-dire, quand on dit Martigues, citoyenne et républicaine, ça veut dire qu'elle est capable d'offrir et de recevoir. Et quand je dis ça, c'est les gens entre eux sont capables d'offrir et aussi de recevoir et d'échanger. Et c'est, je crois, ce qui est la caractéristique essentielle. Citoyenne, générosité, républicaine. Voilà. Moi, quand on dit de Martigues, quelle est ça, j'en suis fier. Et nous aussi, c'est une ville qu'on aime beaucoup. Nous, on a été très, très, très heureux de travailler en étroite collaboration avec le service jeunesse, justement, de la ville, avec qui, justement, on a préparé le Media Lab pour le Salon des Jeunes. D'ailleurs, je tiens à remercier toute l'équipe très dynamique. Qu'on peut les applaudir, ça a été 3 jours. Très active. Intense et riche. Voilà. Un long travail en amont, où on a créé des liens, on s'est attaché à eux, et on s'est attaché à la ville aussi. Oui, c'est vrai. On reviendra. Oui, je crois qu'il y en a qui sont originaires de Martigues quand même ici. Bien sûr, n'est-ce ouais, pas je suis oui, originaire ah, mais oui. Et je suis fier d'être originaire de Martigues. Voilà. Tous Martégos. Oui, voilà un beau slogan, tiens. Allez, plus fort. Voilà. C'est ça aussi Martigues. En tout cas, monsieur le député maire, je tenais vraiment à vous remercier beaucoup de votre participation sur le Media Lab. Malheureusement, c'est terminé. C'était la 14e édition du Salon des Jeunes, le dernier plateau du Salon des Jeunes. Le dernier plateau, mais c'est pas fini, la fête n'est pas finie. La fête n'est pas finie, voilà. Non. Retrouvez-nous ce soir, c'est à 17h. Il y a la soirée des talents. On vous attend nombreuses et nombreux pour devant cette soirée. Devant la grande scène. Devant la grande scène, exactement, de la halle de Martigues. Tout à fait. Pour admirer les talents locaux, aller les soutenir, on le disait tout à l'heure. Un grand merci à tous les jeunes des collèges de Martigues, les jeunes des centres sociaux, des maisons de quartier, qui sont passés, qui ont joué le jeu à la caméra, à la régie, à toute l'équipe d'Audezone, à nos collègues de Maritima aussi, qui étaient juste en face de nous, avec qui on a passé 3 jours. Sans lesquels on n'aurait rien pu faire, merci. Voilà. Merci. Et donc tout un travail aussi de documentation qui a été fait justement grâce à tous ces petits reportages, ces plateaux télé. Eh ben, on garde une trace de ce Salon des Jeunes 2015 et ça permettra à ceux qui arrivent de regarder ces images, de s'en inspirer
et ça fait toujours des souvenirs. Exactement. Encore merci et au prochain Salon des Jeunes, on l'attend avec impatience. Merci, du bruit. À bientôt, merci. Du bruit.